Les exercices numéro 1 sur Matin d'Éden, vous le savez, c'est le titre des journaux parus au Bénin et parvenus à notre boîte mail. Et c'est l'événement précis qui ouvre le bal pour le compte de ce mardi. Moël Bénin dénonce les déclarations de Kwame Kutché et l'accuse gravement. Moël Bénin dénonce les déclarations de Kwame Kutché et l'accuse gravement. C'est bien évidemment la tribune proposée par l'événement précis. L'actualité a été illustrée bien évidemment par la photo du président de cette formation politique. En sous-tribune maintenant, on pourra lire « La mort du FITEB était déjà programmée depuis 2013. » La mort du FITEB était déjà programmée depuis 2013. C'est un extrait d'un entretien avec Hermas Baghidi, c'est-à-dire culturel qu'on ne présente plus. Et puis, au rez-de-chaussée, sinon au cheval, on pourra lire, le gouvernement apporte un appui conséquent à 11 start-up. On en parlera encore tout à l'heure, à la une des quatre vérités aussi, bien évidemment, ou à la une du quotidien Priorité. On évolue. Dynamisme Info, puisque Martin Toyssen nous en propose, on en parle. Coordination des partis de l'opposition, Talon doit tenir un cahier d'évaluation pour Paul Rumpert. Pourquoi? Le dit le journal, eh bien, parcourez les lignes et colonnes de ce quotidien pour vous en convaincre. Coordination des partis de l'opposition, Patrice Talon doit tenir un cahier d'évaluation pour Paul Rumpert. Et puis, en sous-tribune, on pourra lire. La nuit tombe en plein midi sur Bada et autres, bientôt transférés à Misrété. La nuit tombe en plein midi sur Bada et autres, bientôt transférés à Misrété. Et puis, je veux bien croire que ce quotidien est dans le secret des dieux, ce qui lui permet justement d'anticiper sur cette information à haute portée juridique. Haute-Canard, Nassiara, qui propose au bandeau la CAF, la Confédération africaine de football, honore le Bénin. La CAF honore le Bénin. Je veux bien croire que cette information est relative à l'organisation de cette finale, de la finale de la Coupe de la Confédération qui aura lieu au Bénin. Donc la Coupe, la CAF honore le Bénin. C'est ce qui occupe le bandeau de Nassiara. Et puis en tribune principale, on pourra les crises politiques. Il faut désamorcer la bombe. Crise politique, il faut désamorcer la bombe, d'ici Nassiara. Autre canard, autre titre, autre traitement, autre angle, potentiel. Nommé chef de file de l'opposition, les premières gaffes de Paul Rumpert. Nommé chef de file de l'opposition, les toutes premières gaffes de Paul Rumpert. En sous-tribune, formation des formateurs du parti UPA d'Assa, l'honorable Gérard Benonchi promeut le civisme en politique. L'honorable Gérard Benonchi promeut le civisme en politique. Restons-y pour partager avec vous d'autres titres pêle-mêle. Entrepreneuriat numérique, l'État décaisse 200 millions et subventionne 11 start-up. Entrepreneuriat numérique, l'État béninois décaisse 200 millions et subventionne 11 start-up. Et puis l'info sportive que je partageais avec vous à la une du quotidien précédent revient ici à nouveau. Finale de la Coupe de la Confédération à Cotonou, la CAF fait honneur au Bénin. Au cheval maintenant de ce quotidien potentiel, on pourra lire. La police fait marche arrière. Et vous comprenez, l'info est relative à la suspension de la répression de différentes infractions enclenchées samedi dernier et aussitôt suspendues. Suspendues, je dirais, quelques heures après. Sinon, 24 heures, à peine 24 heures. On évolue. Le Béninois libéré, nous sommes avec Aboubacar Takou. Sommet des économies africaines en France, impact du Covid. Le Bénin invité pour sa résilience. Sommet des économies africaines en France, impact du Covid. Le Bénin est invité pour sa résilience. En sous-tribune, intervention du docteur Kwame Kutché sur
un média international, la résistance se ligote par sa mauvaise communication. La résistance se ligote par sa mauvaise communication, par, on est en, toujours en sous-tribune, par manque de stratégie et d'inspiration, l'opposition fonce droit dans le décor. Par manque de stratégie et d'inspiration, l'opposition fonce droit dans le décor. Autre titre, toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré, Moël Bénin, appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités. Moël Bénin appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités. Et puis au rez-de-chaussée, remise de chèques au lauréat du financement Oumandera. Aurélie Adam Souley-Zoumarou, le ministre en charge du numérique, l'artisane du développement du numérique au Bénin. C'est tout pour le Béninois libéré. Autre canard, le matinal. C'est la manchette à parcourir maintenant, le matinal. Contrôle routier, nous sommes à la page 10 du quotidien. La police républicaine suspend l'opération, les populations invitées à se mettre à jour. Contrôle routier, la police républicaine suspend l'opération. Les populations sont donc invitées à se mettre au pas. Restons-y pour partager avec vous autre information en sous-tribune. Financement des économies africaines après le Covid-19. À la page 2, bien évidemment, le Bénin convié au sommet de Paris. Et puis, à l'oreille, bien évidemment, à l'oreille toujours de ce quotidien, à l'oreille droite, le médiateur de la République sortant défend l'institution, la médiation. Le médiateur de la République défend l'institution, bien évidemment, qu'il a gérée pendant plusieurs années. C'était au cours d'un débat sur une chaîne. Et puis la cour d'appel confirme l'envoi du dossier devant la CRIET. Quel dossier c'est? Eh bien, parcourez le quotidien pour vous en convaincre. Martin Toïssé, on évolue. On passe maintenant à l'autre vision pour parcourir d'autres titres. Patrice Talon confirme son attachement au bien-être du peuple. Patrice Talon confirme son attachement au bien-être du peuple. Refus de déguerpissement des maquis et restaurants entre l'aéroport et à Doncor, le président de la République confirme son attachement au bien-être du peuple. Et puis, on était bien évidemment au bandeau, à la tribune, suppression de contrôle routier ou suspension plutôt, puisque cela pourra reprendre bien évidemment dans quelques jours, qui sait. La police républicaine à l'écoute des usagers. La police républicaine à l'écoute des usagers. En sous-tribune, droite, on pourra lire. Tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Moël Bénin s'indigne de la radicalisation de l'opposition, je crois. On évolue. On parcourt Haute-Canard. Martin Toïssé. Info Matin nous propose à sa tribune répression sur les axes routiers, la police républicaine rengaine et active le rétro-pédalage. La police républicaine rengaine et active le rétro-pédalage. Et puis, en sous-tribune, violence préélectorale au Bénin, la porte de retour de plus en plus étroite aux exilés politiques. Violence préélectorale au Bénin, la porte de retour de plus en plus étroite aux exilés politiques. C'est tout pour Info Matin. Le leader du jour nous propose en tribune principale « Quelle guêpe a piqué Komi Koutché ?» C'est une interrogation que nous propose à sa tribune le leader du jour. « Quelle guêpe a pu piquer Komi Koutché ?» Eh bien, l'interrogation reste intacte. Parcourez les lignes du canard pour vous en convaincre. Et puis, acquisition d'un premier tracteur agricole
bien évidemment, pour accompagner les agriculteurs d'un certain projet. Bertin Kouvi donne sa caution pour la révolution agricole au Bénin. On évolue toujours à la une de ce quotidien, le leader du jour. Le gouvernement octroie 200 millions de francs CFA de subventions à 11 start-up. On en parlait tantôt, hein, à la une d'autres canards. C'est tout pour le leader du jour. L'investigateur, et je crois qu'on va devoir y mettre un terme avec l'investigateur. Le maire Angelo Arwandjinou dénonce l'utilisation de son nom à des fins d'escroquerie. Ah oui, comme une Dabo Mekalavi, le maire Angelo Arwandjinou dénonce l'utilisation de son nom à des fins d'escroquerie. Remontons encore à l'oreille droite du quotidien, toujours l'investigateur. Département du littoral, le maire à Tropo offre des séances gratuites de travaux dirigés à plusieurs candidats aux examens de fin d'année. En sous-tribune maintenant, tout cycliste international du Bénin, Azoumé et la Fédération du cyclisme reconnaissant envers le gouvernement. Les listes des coureurs par pays, bien évidemment, est proposée dans les colonnes de ce quotidien, l'investigateur. C'est tout pour cet exercice, le premier d'ailleurs, sur Matin d'Éden.